Pourquoi tenir une assemblée générale ? La tenue d'une assemblée générale permet de réunir les dirigeants, associés ou actionnaires d'une société afin d'établir les décisions à prendre concernant la société. Il existe deux types d'assemblées. L'assemblée générale ordinaire, dite AGE, et l'assemblée générale extraordinaire. Quelles sont les différences entre une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire ? L'assemblée générale ordinaire, dite AGO, doit se tenir au moins une fois par an dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice comptable de l'entreprise. Elle permet de faire le point sur les comptes annuels avant d'en faire le dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce et de discuter de la gestion de la société. L'AGE, quant à elle, peut être convoquée à tout moment par le gérant d'une société et permet de gérer toutes les décisions liées aux modifications des statuts. Quelles sont les conséquences en cas d'absence de tenue d'assemblée générale ? La non-convocation des associés ou actionnaires en assemblée générale peut être sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu'à 9 000 euros par réunion non tenue. L'absence de l'un des documents nécessaires à son bon déroulement peut également faire l'objet d'une sanction pour le dirigeant.